un peu les Incas. C'était un malheureux guerrier, père de famille, un honnête homme qui avait la foi. Mais un jour arriva où il fut blessé, et la mort il frôla. Alors, pour son long séjour dans le monde des rêves, il eut une incroyable vision aussi belle que brève. Face à lui se dressait un paysage magnifique, éclairé par une lumière d'une pureté unique. Sa femme lutta jour et nuit pour le sortir de son sommeil, mais Zenka n'était plus le même homme à son réveil. Il était persuadé que le rêve qu'il avait fait était pure réalité et que cet endroit existait. Lorsqu'il fut guéri de ses blessures, il se sépara des siens, ce fut pour lui comme une déchirure. Mais rien ne pouvait plus l'arrêter, pour lui l'essentiel c'était de retrouver le pays de la vie éternelle. Zenka à la recherche de la vie éternelle. Et les jours passèrent, Zenka le solitaire vécut dans la misère et donna toute sa chair. Quel homme légendaire, en été comme en hiver, il scruta tous les recoins de la terre. Parcourut les dunes chaudes et dorées des déserts, navigua sur tous les océans, les plus belles mers. Vécut dans les forêts, sous le tropique du cancer, et lui-même lutter contre les rudes températures polaires. Que de souffrance il dut subir, mais quelle chance d'avoir pu tant de peuples découvrir. Tant d'idées et de façons de vivre différentes, tant de grandes choses que chacun de nous enfante pas un seul instant. Zenka ne désespéra, jamais il n'abandonna, son rêve était plus fort que tout ici-bas. Ce personnage restera à jamais gravé dans ma mémoire, il est à mes yeux le symbole de l'espoir. À la recherche de la vie éternelle. À la recherche de la vie éternelle. Et qu'advint-il de mon ami Zenka? Pauvre homme menant toute sa vie le même combat. Il chassa jour et nuit cette image, entreprit d'innombrables voyages à la recherche de son paysage. Malgré sa force de volonté, il dut cesser de chercher, affaibli par le lourd poids de ses années. S'attala dans une ferme isolée vers le nord, possédant des milliers de souvenirs comme ce trésor. Dans son âme, aucun regret, aucun remords, son rêve était l'unique responsable de son sort. Et un jour arriva, à l'aurore, on a découvert son corps. Zenka seul, abandonné de tous était mort. Mais avant de m'arrêter, un détail encore, le négligé serait lui causer un grand tort. Sur son visage, on pouvait lire un sourire exceptionnel. Moi je crois qu'il a fini par trouver la vie éternelle. L'argent de la vie éternelle, éternelle, éternelle. Zenka, tu as fini par trouver la vie éternelle.